pourquoi est-ce que la carrière de Doja Cat est complètement en train de s'effondrer. Elle a récemment fait le pas de trop, que ce soit en insultant ses propres fans qui lui ont fait perdre presque 1 million d'abonnés sur Instagram, ou encore toutes ses apparitions controversées des 3 dernières années. Elle qui a enchaîné succès après succès nous donne l'impression qu'elle se tire volontairement une balle dans le pied. On va donc retracer son histoire et voir si elle a perdu la tête ou si tout est calculé depuis le début. Et pour comprendre son histoire, il faut remonter le 21 octobre 1995, plus précisément à Tarzana, dans une banlieue de Los Angeles. C'est ici que Amala Ratna, aka Doja Cat, est née. Alors quand je vais vous décrire sa famille, vous allez voir qu'elle était en fait destinée depuis le début pour la musique, ou du moins destinée pour l'art. Vu que sa mère, Deborah Sawyer, est une graphiste, et que son père, Dumi Sani, est un ancien chanteur et producteur de différents films et séries sud-africains. Et avec une famille pareille, on peut se dire, bon, bah là c'est parfait, ma voix est toute tracée dans l'art, et en plus mes parents vont m'aider. Ici, malheureusement, c'est pas exactement ça. Déjà parce qu'en fait, assez tôt, le père de Jacquat décide de retourner dans son pays d'origine, donc en Afrique du Sud, parce qu'il dit qu'il a le mal du pays aux États-Unis et qu'il prévoit par la suite de ramener sa famille en Afrique du Sud. Ce qu'il a en réalité jamais fait. Donc en fait, de Jacquat n'a pas vraiment vécu avec son père et en réalité, elle le connaît pas vraiment non plus. Et c'est très vite que de Jacquat déménage donc à l'autre bout des États-Unis, à Ray, dans une ville près de New York, et pendant 5 ans, elle va vivre là-bas avec sa grand-mère, qui est aussi dans l'art, hein, au passage, hein, vu qu'elle est architecte et peintre. Mais les déménagements sont pas finis, vu qu'à peine 3 ans plus tard, donc à l'âge de 8 ans, elle redéménage du côté de Los Angeles, cette fois-ci donc avec sa mère, et elle déménage pas n'importe où vu qu'elle déménage dans un ashram. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un ashram, c'est une maison généralement avec un maître spirituel que les gens viennent visiter ou carrément même vivre pendant un certain temps pour recevoir des enseignements spirituels. Et dans le cas précis de Doja Cat, cet enseignement ça va être donc l'hindouisme. Alors sur le papier, ben, c'est une belle expérience, mais Doja ben, le vit pas très bien, voire même le vit très mal vu que mettez-vous 5 secondes à sa place, avoir à peine 8 ans et être constamment entouré d'adultes et devoir être très très discipliné dans sa pratique spirituelle, ben, en fait elle dit clairement qu'elle a pas réellement eu d'enfance dans cet univers. It's just really like constricting for me. I feel like I couldn't be a kid because you have to wrap your head and like cover your everything and you can't show your shoulders. Par contre, la grosse particularité de l'ashram dans laquelle Doja est, c'est que la maître spirituelle est Alice Coltrane, qui est une très très grande musicienne jazz. Donc ça veut dire que Doja est souvent amenée à chanter des chants spirituels ou même faire des danses indiennes. Donc encore une fois, l'environnement va l'exposer à encore plus de musique et de danse, ce qui va extrêmement lui servir par la suite. The Swami for my ashram was Alice Coltrane. That was incredible for me to be around when at such a young age. She would sing and it was captivating. Vous voyez l'extrait que je viens de vous mettre. Combien d'entre vous l'auraient compris si j'avais enlevé les sous-titres? Pas tout le monde, hein. Et je comprends que ça soit super frustrant. Même chose par exemple avec les paroles des artistes que vous écoutez. Ce qui est quand même gênant dans le monde du rap où le texte et les paroles sont super importantes, de pas comprendre la langue. Et je sais qu'il y en a parmi vous aussi qui aimeraient aller travailler, aller vivre à l'étranger, mais vous pouvez pas parce que bah, simplement vous parlez pas assez bien anglais. Et bah pour ceux qui sont dans cette situation, j'ai la solution pour vous. La plateforme d'apprentissage en anglais Cambly, qui est le sponsor de cette vidéo, est l'outil parfait pour ceux qui veulent apprendre ou améliorer leur anglais de manière super efficace. Les gros avantages c'est que vous avez des cours en ligne sous forme d'échanges en visio, que ce soit en particulier ou dans des groupes pratiques, donc c'est méga flexible, on peut prendre des cours n'importe où, n'importe quand, avec un tuteur natif qui vient aux États-Unis ou du Royaume-Uni ou du Canada. Donc pas de Where's Brian, Brian's at the kitchen, non, non, pas de ça du tout. Ici, on est dans l'efficacité, grâce à une méthode basée sur la pratique régulière et l'immersion. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est aussi comme ça que j'ai appris à parler anglais, hein, c'est en pratiquant avec des anglophones. Et pour ceux qui hésitent encore, sachez qu'Cambly a déjà accompagné plus de 10 millions d'utilisateurs dans leur apprentissage en anglais. Par exemple, dans la session dans laquelle j'ai participé, que je vais vous montrer juste après, il y avait un japonais qui était avec moi qui débutait en anglais. Et le tuteur l'a mis en confiance directement, hein, sans jugement et avec beaucoup d'encouragement. Il y a donc une facilité à se lancer qui, personnellement, bah, m'a agréablement surpris. D'ailleurs, en parlant d'extrait, voici une petite session à laquelle j'ai pu participer. Is it warm in Boston? No, it isn't warm today. It's cold and windy. Very good. Excellent. Great job. Et au passage, Cambly propose en ce moment une offre exceptionnelle. Avec l'offre que j'ai mis dans la description juste en dessous, vous pouvez profiter d'un cours d'essai et de 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois, valable pour les cours particuliers et les cours en groupe. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Et maintenant, retour à l'histoire. Bon, après ces 4 ans passés dans l'ashram, sa famille décide encore une fois d'éménager, mais cette fois-ci, vous inquiétez pas, juste pas très loin du côté de Los Angeles. Et plus précisément à Oak Park. Donc là, on peut se dire, ok. Elle va enfin pouvoir respirer, elle va arrêter les déménagements, elle va avoir une vie un peu plus normale d'enfant classique. Bon,
Ça, c'est sur le papier, les amis. Parce qu'en réalité, l'école va être un véritable calvaire pour elle et son frère. De un, parce qu'elle va souffrir d'énormément de racisme, parce que son frère et elle sont les deux seuls enfants métis de tout le quartier. Et de deux, parce que, en fait, l'école, c'est pas fait pour elle. Elle a la fibre artistique depuis bébé. En plus, elle est pas aidée parce qu'elle est diagnostiquée avec des troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Donc, quand elle se retrouve en cours de maths et qu'elle doit résoudre des équations, faire des calculs et qu'elle comprend pas comment faire, ça la rend juste folle. Et c'est cette période qui va énormément l'écœurer et créer un espèce de gros manque de confiance chez elle. Et qui va l'amener de plus en plus à se recroqueviller sur elle-même. I would switch schools pretty often, not because I was a bad kid. I was kind of bad. I didn't get great grades, but you know. Parce qu'en réalité, son seul échappatoire et sa seule manière de s'exprimer, c'est l'art. Et elle décide de s'inscrire à des cours de breakdance dont elle devient complètement amoureuse. And I was in a dance crew. I would do battles around the city and breakdance battles. Yeah, breakdance. Okay. En parallèle, donc sa tante qui est une coach vocale lui apprend à chanter correctement. Donc en fait, pour elle, c'est clair. Elle peut passer toute sa vie à l'école à se prendre la tête ou alors se mettre complètement à la musique et à la danse qui est fait pour elle. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, c'est clair pour elle, mais pour sa mère, elle va pas quitter l'école alors qu'elle a à peine 13-14 ans. Donc elle a force à continuer les cours, ce qui crée encore plus de frustration chez elle et ce qui l'enferme encore plus sur elle-même. Et c'est à ce moment-là où elle va faire une découverte très importante qui, vous allez voir, va extrêmement lui servir vers la suite de sa carrière, ça j'y reviendrai, c'est qu'en fait elle va découvrir la culture internet. Vu qu'elle passe en fait la plupart de son temps à sécher les cours, à rester devant son PC, à fumer des joints. Et elle se plonge donc à 200% dans cette culture de mèmes, de YouTube, de MySpace, elle passe sa vie sur des forums à commenter, à rentrer dans des débats, et c'est aussi là où elle découvre d'autres artistes dont elle va s'inspirer, comme par exemple Jamiroquai, les Fugees, Erykah Badu, Amy Winehouse, TLC ou Lil Kim. Bref, tout ce qu'en fait une adolescente des années 2000-2010 pouvait avoir accès. Et c'est aussi à ce moment-là où elle trouve son nom d'artiste Doja Cat. I thought the name Doja, because Doja is another word for weed. You know, I thought it sounded cute, like a girl's name, sort of. Et on sent qu'elle a envie de s'exprimer parce que c'est à peine à 14 ans qu'elle commence à créer ses toutes premières vidéos YouTube sur le maquillage. Qui ne va malheureusement pas aller très loin, vu que sa mère va l'arrêter très vite dans son élan, vu qu'elle la voit en plein tournage en train de se maquiller et lui dit que c'est pas possible qu'elle monte sa tête comme ça en ligne. Mais ça va pas l'arrêter. Elle sait qu'elle doit réussir et elle sait que ça doit être dans l'art. Elle entame donc des milliards de projets, que ce soit des projets dans la danse, des projets musicaux, elle va commencer à s'enregistrer avec le micro de son MacBook. And then I would just put a blanket over my head and start recording stuff into GarageBand with my built-in mic. Des projets vestimentaires où elle essaie de créer son propre style. Bref, son cerveau fuse dans tous les sens et c'est là où sa créativité commence à s'exprimer. C'était comme si pendant quelques minutes, elle pouvait fuir la réalité éprouvante de l'école. Et en fait, on sent qu'elle peut réussir, mais elle a trois problèmes. Premièrement, elle va jamais au bout de ses projets, ça reste des petits brouillons comme ça dans sa chambre. Deuxièmement, elle traîne pas avec les bonnes personnes et elle passe beaucoup trop de temps à fumer. Et troisièmement, sa mère, elle lui fait pas confiance. Mais vous allez voir qu'elle va prendre une décision radicale qui va mettre fin à tous ses problèmes. 2011, c'est cette année-là et à peine âgée de 16 ans que Doja Cat décide de quitter l'école. Ah ouais, vous avez très bien entendu, elle s'en fout complètement des conséquences, elle sait pas ce qui va arriver, mais une chose est sûre, c'est qu'elle se casse. En fait, cette décision est prise, elle sait ce qu'elle veut faire dans la vie, de la musique et de la performance scénique, c'est tout. Mais il n'y a pas plus de calcul. Alors comme vous avez pu voir, elle a eu une enfance quand même pas facile où toutes les 4-5 ans elle devait déménager, donc elle devait toujours se réadapter à des nouveaux environnements. Si vous aussi vous avez bougé dans votre enfance pas mal de fois, vous voyez à peu près ce qu'elle a dû ressentir. Et bien le gros avantage qu'elle a eu, c'est que très tôt elle était exposée à différentes formes d'art. I guess I was more influenced, I would go to performing arts schools most of the time, as many as I could. Et justement maintenant il faut utiliser cet avantage qu'elle a eu. Parce que si on doit faire un bilan, certes elle a que 16 ans, mais elle sait très bien chanter, elle sait très bien danser. Et surtout elle a énormément de temps libre vu qu'elle va plus à l'école. Ce qui fait extrêmement penser à l'histoire de Dave, si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste au-dessus, qui était exactement dans la même situation. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y a plus de parachute dorée. Il n'y a pas des horaires de l'école qui te dit, il faut te réveiller à 7h, prendre le bus, aller à l'école, etc. Et ce moment va être ultra décisif pour elle. Parce qu'il va falloir qu'elle se prenne en main et transformer les brouillons qu'elle a fait dans sa chambre en réel art. Et c'est à ce moment-là où elle va passer énormément de temps dans sa chambre, allongée par terre, sur son MacBook, en train de chercher des instrumentales sur YouTube. Et c'est là aussi où elle va commencer à faire ses propres sons. Et sa stratégie est très simple. Elle va produire de la musique et ensuite directement la mettre en ligne sur son cloud. Et c'est ce qu'elle va faire chaque semaine. Elle se réveille, elle écrit une musique, elle a fini et elle la poste. Et j'ai réussi à retrouver une ancienne musique qu'elle avait postée. Et pour être 100% honnête, son style musical est un peu différent certes, mais en vrai il y a de l'idée. And then I was like, let me just stream this. Maybe there's some cool people on the internet who want to see what I'm doing. There was one time where it was like a 7-day period of me making these songs, one song a day. So it had 7 songs. Basically, that's an album. Donc elle continue à poster ses sons au fur et à mesure sur son cloud jusqu'à poster So High, qui est le tout premier son qui attire enfin l'attention vers elle. Mais comment ça s'est fait exactement? À l'époque, faut savoir qu'elle passe beaucoup de temps dans les soirées underground comme ça, hip-hop de Los Angeles. Et donc comme son habitude, elle traîne là-bas, elle fait son petit show, voilà. I might get the weather like I'm underneath the sail. Hungry little mommy, I am...
sans savoir que ce soir-là, elle allait faire une rencontre primordiale pour sa carrière. Vu que Jerry Powell, donc un producteur de la région, vient la voir en disant qu'il a écouté son son So High sur SoundCloud et qu'il a kiffé. Et il faut absolument qu'il la présente à un autre producteur qu'il connaît. Doja Cat est alors flattée, mais quand même curieuse de savoir qui va être ce producteur. Et surtout, ben, elle est étonnée qu'une personne soit tombée sur ses sons qu'elle a fait dans sa chambre. Parce qu'en fait, attirer l'attention des professionnels de la musique, elle s'y attendait pas vraiment. Et la zig, faut qu'elle y aille parce que, ben, à part sa chambre et ses soirées hip-hop, elle a rien d'autre dans sa vie en ce moment. Donc c'est une réelle opportunité pour elle. Et c'est quelques jours plus tard qu'elle va rencontrer ce producteur en question qui s'appelle Yeti Beats, avec qui elle va travailler en fait jour et nuit. Et c'est de fil en aiguille que ce producteur va la connecter avec Kesabe Records, qui est un des labels de RCA Records, où elle rencontre Dr. Luke, un énorme producteur américain, qui accroche directement avec son son So High, qui décide donc de la produire directement et carrément de faire un clip autour de ça. Alors comme vous pouvez le voir dans le clip, on est aux prémices du style de Doja Cat, donc un peu R&B, un peu pop. Et justement en incorporant cette danse indienne qu'elle a appris durant ses 5 ans dans l'ashram. Donc là on peut se dire, attends, wow, la fille elle est passée de faire ses musiques comme ça dans sa chambre toute seule à pas savoir vraiment ce qu'elle allait faire de sa life, à être signée en maison de disque dans un très très gros label avec un gros producteur américain. Alors oui, certes, ça peut paraître impressionnant, mais comme j'aime le dire à chaque fois, être signée en maison de disque, c'est que le début, c'est pas une finalité. Là, je parle à tous les artistes qui regardent cette vidéo et qui rêvent d'être signés. Pour avoir travaillé en maison de disque, je peux vous dire que voilà, être signé, c'est que le début du travail. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est après convertir cette signature en succès commercial. Pour pas justement faire un flop et terminer comme un artiste déchu. Parce que malheureusement, vous allez voir que c'est la trajectoire vers laquelle Doja Cat se lance. Certes, elle est super contente, super excitée. 100% de son temps va être pour être dédié à la musique. Mais le problème, c'est que son premier EP qu'elle va sortir, donc Purr, va être un énorme flop commercial. Et même si par la suite, elle arrive un peu à se rattraper avec son album Amala, où il y a 2-3 petits sons sympas, comme notamment Candy, où on voit très clairement que sa direction artistique est bien plus définie, des couleurs dans tous les sens, des sonorités beaucoup plus pop avec des soupçons de R&B et de rap. Bref, on voit que artistiquement, tout est là pour réussir. Le truc, c'est que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Il y a tous les ingrédients pour que ça marche. La musique, elle est cool, elle a un univers stylé, elle est signée, etc. Pourquoi ? En fait, les amis, ça suffit pas. Elle est confrontée à deux problèmes de taille. Le premier, c'est que sa maison de disque la met pas vraiment en avant, vu que c'est pas la priorité actuelle. D'où ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes signé en maison de disque, mais vous êtes pas la priorité, il y aura pas des moyens qui seront mis sur vous, et du coup, rien ne se passera. Et le deuxième gros problème qu'elle a, c'est la fumette. Parce que très clairement, ça la met dans un état vaseux où ça détruit sa créativité. I would smoke and smoke and smoke, and like I'd be chain smoking, and it would mess with my voice, it would mess with my energy. Definitely just one of the biggest challenges in my life. Et en fait, elle se retrouve dans une espèce de prison dorée dans laquelle n'importe quel artiste aimerait se retrouver, mais dont elle comprend pas vraiment comment se libérer. Je veux dire, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'elle est obligée de prendre une décision extrême. En fait, elle va prendre un moment pour elle d'introspection et revenir à ses bases. Mais c'est quoi ses bases exactement? Comme je l'ai dit, elle a grandi dans la culture internet, dans le rap, dans le R&B des années 2000. Et c'est aussi à ce moment-là où son petit copain lui envoie un cadeau, mais elle aurait pas pu rêver mieux, vu qu'il lui achète ce qu'on appelle un contrôleur MIDI, pour ceux que ça passe, ça ressemble à peu près à ça, qui lui permet de faire ses propres instrus. He gave me a MIDI keyboard. Yeah, he just surprised me with it. He just kind of like mailed it to me. I was like, what do you expect me to do with this? And he was like, just try it. I'm like, all right. Au passage, les amis, si vous voulez avoir les dessous de ces vidéos ou même rester au courant de l'actualité musicale, venez me suivre sur Insta, c'est @jainomusic. C'est là-bas où je partage énormément de contenu exclusif. Et en fait, elle va mélanger cette culture internet et la culture musicale qu'elle a pour justement pondre un clip et un single. Et c'est comme ça qu'en 2018, elle va autoproduire le son mou. Alors oui, vous voyez bien, elle est habillée en costume de vache. Et c'est avec sa voix suave qu'elle nous sort un banger R&B. Qui, je vous préviens, quand même un peu bizarre, mais je vous laisse voir par vous-même. Et en fait, quand elle sort ça, en à peine une semaine, elle fait plus de 3 millions de vues sur YouTube. Et aujourd'hui, ce titre cumule plus de 125 millions de vues sur YouTube. Donc c'est une réelle explosion d'attention vers elle. Ce qui veut pas mal penser à ce que Joji avait fait à l'époque en utilisant aussi la culture meme pour attirer de l'attention vers sa musique. Pareil, j'ai fait une vidéo entière sur lui, je vous mets le lien juste au-dessus et dans la description. Honestly, it's trolling. It was a whole inside joke between me and my fans. We were on Instagram Live, we were totally playing, and we didn't think this would go anywhere. Terrible green screen, all of that. I think that's what kind of made it charming. Et en fait, la stratégie super intelligente qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser toute l'attention qu'elle a maintenant avec ce nouveau son pour la rediriger vers son ancien album Amala qui avait pas trop bien marché, qui était musicalement un très bon album certes, mais il lui manquait ce petit boost marketing. Donc elle décide de sortir une édition de luxe en ajoutant plusieurs titres comme justement Mood dont on a cité, Tia Tamera et Juice. Donc c'est très clairement en plus les morceaux les plus bangers qu'elle a sortis à cette époque. Qu'autant vous dire qu'à ce moment-là, elle a attiré une nouvelle vague de fans qui s'intéressent à son univers. Comme je dis à certaines personnes que j'accompagne dans ma formation, que des fois le problème, c'est pas votre musique, mais que vous n'avez pas la stratégie marketing adéquate pour attirer les gens vers vous. En fait, là, on a un excellent exemple. Son album était bon, mais il n'y avait pas assez d'attention sur elle. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les stratégies marketing, j'ai fait une masterclass gratuite de 30 minutes où je vous explique tout en détail, donc le lien est en dessous dans la description. Par rapport à Doja Cat, quand je dis qu'elle a attiré des nouveaux fans, il y a un des fans dans l'eau qui est aussi un artiste connu. Je parle bien sûr de l'artiste
Tyga qui décide de remixer le son de Juicy. I mean, I just like did it that night, sent it to her, and it definitely helped launch her career into like the mainstream. Qui est littéralement devenu ultra viral sur TikTok, elle a explosé tous les compteurs, en arrivant 41e du Billboard Hot 100. Par la suite, le son a été certifié platine, qui a encore plus attiré l'attention vers l'album Amala, qui est lui-même rentré aussi dans les classements des albums. Et oui, là, vous voyez la puissance du marketing quand vous êtes artiste. C'est qu'en fait, tous les gens qui vont vous connaître grâce à un single qui a été viral vont par la suite aller écouter toute votre discographie et donc booster aussi vos anciennes musiques. Mais la vraie vague arrive un an plus tard en 2019 quand elle sort son album Hot Pink. Mais le vrai monstre de cet album, c'est bien sûr Say So, qui est sorti au moment où tout le monde était un peu enfermé à la maison et qui a explosé sur TikTok. Ce son, les amis, c'est sûr, vous n'avez pas pu passer à côté. Donc bref, c'est cet événement qui l'a vraiment propulsé au devant de la scène. Et surtout, lui a permis de faire des collaborations avec d'autres artistes établis. Comme par exemple avec The Weeknd dans In Your Eyes. Ou encore Lil Wayne sur Shimmy. Ou alors avec les City Girls et Pussy Talk. Bref, c'est aussi à ce moment-là qu'elle se fait nominer à plein de cérémonies, comme les BET Awards, les MTV Awards, ou encore les American Music Awards. Et comme vous pouvez l'imaginer, sa base de fans grandit aussi en même temps. Et comme je vous l'ai précisé au début, elle est très à l'aise avec Internet, et donc c'est très vite qu'elle a une connexion très forte qui se crée avec ses fans, où elle décide donc de les renommer les Kittens, qui littéralement veut dire donc les petits chats. Elle devient aussi très active sur Twitter, sur Instagram, où elle fait beaucoup de lives, et c'est là où on commence à voir profondément la personnalité de cette pop star. Elle devient comme un exemple pour pas mal de filles, vu qu'elle assume sa personnalité à 200%. Elle assume aussi ses défauts, surtout dans ce monde des réseaux sociaux où il y a pas mal de choses assez fake. Elle va à l'encontre de ce mouvement, où par exemple elle va arriver de manière très naturelle devant la caméra sans être ultra maquillée. Et surtout, elle a un franc-parler un peu comme pourrait l'avoir Tyler the Creator pour ceux qui connaissent le personnage, qui la rend super addictive. I'm making music and you like it. And if you don't, cool, great, I don't give it. I'm not doing it so that you like me. I'm doing it because it's fun. Bon, même si par la suite elle a eu de sacrés problèmes avec Tyler the Creator, mais bon. Ça, j'en parlerai après. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de filles la voient un peu comme un exemple. C'est comme si elle s'était libérée de son ancienne vie de petite fille un peu insécure, qui a pas confiance en elle, qui vit à travers le regard des autres, et on la voit complètement métamorphosée. En plus de ça, elle arrête de fumer dans la même période. Smoke weed? I quit. I don't smoke weed. I don't smoke cigarettes. Donc là, on se dit, magnifique, elle crée une relation de ouf avec ses fans. Bon, vous enflammez pas trop, parce que Doja Cat, c'est aussi synonyme d'énormément de controverses, au point où aujourd'hui, ces controverses sont amenées à mettre sa carrière en jeu. 25 juin 2021, l'album de Jacquat Planet Earth vient de sortir. Donc avec cet album incroyable, elle confirme encore une fois son talent et sa place d'artiste, que ce soit avec les titres Kiss Me More ou Woman. Donc bref, elle met tout le monde d'accord artistiquement, sachant que les amis, c'est très difficile d'enchaîner deux voire même trois albums de qualité quand t'es un artiste. En plus de ça, elle gagne 8 nominations aux Grammy Awards, et son album arrive quand même 5e des albums les plus streamés en 2021 sur Spotify. Je veux dire là, très clairement, tu peux pas faire plus. Mais par contre, tu peux faire moins. Et quand je vous disais qu'elle connaissait très bien la culture internet, elle la connaît bien certes, mais elle en est aussi extrêmement victime. Et dans quel sens exactement, vous allez me dire? Dans le sens où elle passe beaucoup trop de temps à répondre aux commentaires sur Twitter et sur Instagram. Des fois, on a l'impression qu'elle oublie un peu son statut, elle oublie un peu qu'elle est plus la petite fille de 14 ans dans sa chambre, où elle peut se permettre de s'énerver contre quelqu'un sur internet sans conséquence. Parce qu'en réalité, l'une des controverses qu'elle a eues est arrivée très tôt dans sa carrière. Dès qu'elle a eu un peu d'attention sur elle, Tyler the Creator s'est retourné contre elle à cause de ce message qu'elle avait mis. Et dans ce message, on voit très clairement qu'elle s'excuse sans réellement s'excuser. Et vous allez voir, en fait, c'est un truc super redondant chez elle, où elle va se mettre dans la sauce à chaque fois, elle va se faire attaquer dans tous les sens, et elle va s'excuser sans réellement s'excuser. Et l'un de ses plus gros ennemis, c'est bien évidemment la cancel culture. I think that it's a lame culture. I think that, but there's good intent behind it. The only thing is, gets out of hand. In the same breath, standing up for some people also bring people down and cause fear and anxiety that where it's not needed. I don't think that people need to be bashed over the head a million times about something. I think it's about talking about the issue and educating people on the issue instead of trying to make them hate themselves. Why is that the solution? Ou comme je vous disais, durant ces différents lives en 2020-2021 où tout le monde était à la maison, c'est pas mal émancipé. Évidemment, quand on est en live comme ça devant des millions de personnes, il faut s'attendre à ce que les gens prennent nos propos, les déforment, les amplifient, les diffusent quelque part. Enfin, c'est sûr, c'est Internet. Et c'est vrai que de l'autre côté, elle, on peut pas dire qu'elle essaye de se rattraper ou quoi que ce soit, vu que c'est une déclaration bien précise qui a mis le feu à sa carrière. Elle a autocritiqué ses deux anciens albums, qui ont quand même atteint des chiffres incroyables et qui sont des albums de qualité selon ce que je pense. Elle a donc dit, je cite, Planet Her et Hot Pink étaient des machines à sous et vous êtes tombé dans le panneau. Maintenant, je peux disparaître quelque part avec mes proches sur une île pendant que vous vous lamentez sur de la pop médiocre. Donc là, le souci, c'est pas qu'elle a autocritiqué ses albums en disant que c'est de la pop médiocre, c'est ses propres œuvres d'art, elle fait ce qu'elle veut. Donc même si en réalité, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus à part elle, donc c'est quand même pas terrible de dire ça. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'elle dit très clairement qu'elle a usurpé ses fans et que c'est juste des machines à sous.
Et vous allez voir, c'est que le début de la guerre qu'elle a décidé de mener contre ses fans. Vu que très récemment, elle a décidé de répondre à tous ses fans apparemment de manière super hostile sur Twitter ou sur Instagram, au point même où elle a bloqué des pages fans qui la suivaient et qui la soutenaient, parce que ses fans vont critiquer sa musique ou critiquer sa relation actuelle avec Jay Cyrus, qui est une personne qui a été accusée d'abus émotionnels. Et elle est même arrivée jusqu'au point à dire à ses fans, je cite, « Mes fans ne se donnent pas de noms comme Kitten ou Kittens. Ça veut dire que tu dois couper ton téléphone, trouver un boulot et aider tes parents à la maison. » Bon, elle dit ça, sachant qu'à l'époque, c'est elle qui avait demandé à ses fans de se trouver un nom de groupe. Et en fait, la conséquence de tout ça, c'est presque 1 million de fans qu'elle a perdu sur Instagram. Et comme vous pouvez le voir sur le screenshot que je vous montre à l'écran, elle en perd tous les jours, ça continue. Et ça, c'est sans compter toutes ces controverses liées à ses tenues ou à ses affiliations un peu douteuses. Mais bon, ça, ce serait le sujet d'une autre vidéo. Et je sais pas si vous vous rappelez dans l'intro, je vous avais dit qu'il y a une possibilité que tout soit calculé depuis le début. Parce que ce qui me fait douter sur le côté un peu guerre contre mes fans, déjà, c'est qu'elle décide pas de faire des choses toute seule. Quand elle décide de faire quelque chose, généralement, il y a une équipe derrière, que ce soit sa maison de disque ou son manager. Donc faire ce genre d'action comme ça avec que des conséquences négatives et un peu dans le vide, je pense pas que son équipe aurait été complètement d'accord. Comme on a vu, il y a quelque chose d'autre derrière. Et ce quelque chose d'autre est arrivé quand j'ai regardé son dernier clip, Paint the Town Red, qui est sorti justement pour la préparation de son prochain album. En fait, dans ce clip, elle décrit exactement la relation qu'elle a actuellement avec ses fans. Ce qui est quand même un peu bizarre, parce que vous comme moi, on sait que bah, ça prend quand même du temps avant de faire ce clip, avant de faire ce morceau. Donc est-ce qu'elle savait à l'avance qu'elle allait s'embrouiller avec ses fans? Et donc du coup, est-ce qu'elle a pas fait exprès de créer tout ce drama pour justement attirer l'attention vers son nouvel album qui va sortir justement au mois de septembre, qui s'appellera Scarlet? Un peu comme Kanye West hein, le fait très bien à chaque fois. Donc je vous laisse avec cette question. Selon vous, est-ce qu'elle a fait exprès et que c'est juste un coup marketing, ou est-ce qu'elle est réellement en guerre contre ses fans? Donc je vous laisse répondre en commentaire, les amis. Je suis curieux de voir vos réponses. Et en attendant, je vous laisse avec la vidéo sur la vie complète de The Weeknd juste ici, vous allez kiffer. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur Insta, les amis, c'est @jainomusic. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, peace out. Et encore une fois, je remercie le sponsor de cette vidéo qui est Cambly. Et si vous êtes intéressé par l'offre actuelle, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description ou alors le commentaire épinglé.